Bienvenue. Deuxième partie, je profite pour saluer les personnes qui nous auraient rejointes maintenant pour cette après-midi et nos amis italiens présents dans cette salle, notamment Dr Chiara Deali, qui est spécialiste des guerres civiles, on peut dire, professeur à l'Université de Genève. L'Alpino, il est là, l'Alpino Antonio Strapasson, capogruppo des chasseurs alpins italiens. Et puis, il carabiniere Giacomo Salema, qui est là, merci, qui est le président des anciens combattants italiens. Et donc, je vous laisse découvrir le programme cet après-midi, qui se déroulera traditionnellement par les couleurs et la musique de l'Italie de cette période. Et puis, après avoir évoqué l'avant 1859, l'instant histoire, donc c'est des petites sociétés qui ont fait ces films magnifiques que vous trouvez. Et quand on fera les montages, vous aurez à la fin le lien direct sur l'intégrale du film, comme eux, ils l'ont préparé. Parce que moi, j'ai tronqué pour qu'au niveau du timing, on ne soit pas aux fleurs. Alors, donc on aura l'instant histoire qui nous décrira le processus d'unification italienne. Et après, l'historien Jean-Jacques Langendorf, qui est grand spécialiste de l'histoire militaire du 19e, nous enchaînera avec une analyse magistrale de cette guerre de 1859, qui sera suivie après une courte pause par une animation d'une équipe qui s'appelle Sur le champ, qui va nous plonger cette fois dans la guerre elle-même de Solferino. Un Solferino qui va laisser sur le monde une marque indélébile qu'abordera François Bugnon, qui est membre du comité du CICR, et qui nous parlera des conséquences du passage d'Henri Dunant à Castiglione, non chez la Castiglione, qui lui aurait donné un autre souvenir, autrement, et que peut-être nous racontera Tony Strapasson tout à l'heure. Et puis enfin, on ne pouvait rester dans cette journée un peu sanglante sans évoquer la première convention de Genève du 22 août 1864. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais poser à cette assemblée un petit quiz sur la signification des couleurs du drapeau italien. Alors, je vous ai proposé quelques solutions. J'aimerais que vous y réfléchissiez et que vous donniez vos votes. Tout le monde a pu lire. Alors, ceux qui sont pour le A, réponse A. Réponse B. Réponse C. Déjà plus. Réponse D. E. Monsieur le vice-consul, puisque vous nous faites l'amitié d'être avec nous cet après-midi, j'aimerais que vous nous départagiez par rapport à cette épineuse question de la douleur et vous adresser quelques mots, s'il vous plaît. Bon après-midi à tous et merci beaucoup, c'est clair, au président, cher ami Marc, qui m'invite beaucoup de fois à toutes ces conférences historiques que j'aime beaucoup. Je suis très lié à Genève et aussi aux questions de droit international humanitaire parce que je fais une maîtrise en droit. Il y a 25 ans, et ma mémoire, c'était sur le droit international humanitaire. Donc, je suis très heureux d'être ici et avec vous. Donc, officiellement, j'ai aussi fait mes recherches, comme tu fais. Et donc, officiellement, je suis allé sur le site web de la présidence de la République italienne. Je savais pour les mémoires historiques que j'avais, que c'était lié le drapeau italien un peu à la, c'est clair, à la campagne de Napoléon en Italie. Mais ça, ce sont des souvenirs de quand on est jeune. Donc, je suis allé sur le site web del Quirinale, c'est la présidence de la République italienne. Et donc, il y a, c'est indiqué que il tricolore italien, donc, le drapeau italien, c'est le drapeau national, et il est né à Reggio Emilia le 7 janvier
1997, quand le Parlement de la République Cispadana, sur proposition du député Giuseppe Compagnoni, décidait qu'on rend universel le standard, donc le drapeau, et le drapeau de la République Cispadana des trois couleurs, vert, blanc et rouge. Et que ces couleurs, on les utilise aussi pour la cocarde Cispadana. Et donc, qu'est-ce que représentent donc les couleurs? Ce sont des couleurs très liées à la Lombardie, à Milan surtout. Donc, le blanc et le rouge, ils apparaissent dans l'ancien drapeau communal. Donc, on dit, comment dire en français, stemma comunale. C'est l'insigne communal de la commune de Milan. C'est la croix rouge sur un champ blanc. Le couleur vert, au contraire, c'est les uniformes de la fin de 1982, les uniformes de la garde civique milanais. Donc c'est ça l'origine des couleurs. Mais c'est clair que, donc, en général, on a des liens beaucoup avec la campagne de Napoléon en Italie, donc les trois couleurs aussi du drapeau en français. Après, mais ça, c'est lui, il a mis, ça, c'est le drapeau italien, mais il a spécifiquement un drapeau, parce qu'il y a beaucoup de... Le drapeau italien, c'est ça, ça c'est le drapeau de la mer, je pense, de la marine mercantile, oui, de 1947. Et parce que la marine... oui, la marine militaire, au contraire, il y a aussi un couronne en haut. Et pendant le j'ai vu aussi dans le site web de la présidence de la République italienne, que aussi pendant la période del Risorgimento, les Savoie, il avait mis à l'intérieur, dans la partie blanche, il avait mis le symbole de Savoie avec la couronne. Ça signifie que, donc, comme pour démontrer que c'était les Piémontais qui ont poussé pour l'unification l'unification d'Italie. Donc, dans les mêmes drapeaux, il avait l'emblème, le symbole de la maison royale de Savoie. Et bon, je pense que merci beaucoup. Mais de toute façon, le drapeau que vous voyez dans les ambassades, dans les consulats, c'est le drapeau sans les symboles qui sont les. Si je ne me trompe pas, mais ça, c'est juste les quatre républiques marinares. Donc, Venise, Pise, Amalfi et Gênes. Genova, oui. Donc les quatre républiques, donc c'est tout ça. Merci beaucoup pour m'avoir et je vous souhaite un après-midi. C'est important d'avoir quand même des personnes officielles parce que c'était pas évident à trouver. Alors, le chant de la période, le chant des Italiens, maintenant qu'on est au clair avec le drapeau, c'est aussi, comme nom aussi, l'hymne de Mameli, qui, tu m'as dit, représente le mieux cette période du Risorgimento. On verra après qu'il y avait une autre musique plutôt militaire. Et étonnamment, Fratelli d'Italia n'est pas l'hymne qui a été nommé au début de la République italienne. Il faudra attendre très longtemps, donc il est resté en provisoire. Et c'est qu'un décret du 4 décembre 2017, s'il vous plaît, donc c'est vraiment tout récent, qu'il est devenu l'hymne national italien. À ce titre, je vous invite à vous lever, et j'aimerais que les Italiens donnent de la voix pour nous faire vibrer un peu de cette ferveur populaire du Risorgimento. Thank you.
dans les deux derniers couplets, on a l'impression d'entendre les Suisses chanter le leur. Voilà. Merci pour ce vibrant hommage. Alors, pour replacer la deuxième guerre d'indépendance italienne dans son contexte, il me faut commencer par une lapalissade, parce que s'il y avait une deuxième guerre d'indépendance italienne, c'est qu'avant, il y en avait une avant. Et donc, celle-ci a eu lieu en deux étapes, entre 1848 et 1849, et il nous faut pour cela évoquer le royaume de Sardaigne de la Maison de Savoie, qui fait 1720 jusqu'à le royaume d'Italie en 1861. Donc en 1720, les ducs de Savoie sont détenteurs de la principauté du Piémont et du comté de Nice, et ils deviennent rois de Sardaigne par un échange de royauté avec la Sicile. Ils se trouvent dès lors officiellement à la tête d'un royaume de Sicile, qu'on appelle communément aussi le royaume du Piémont-Sardaigne, dont la capitale est d'abord Chambéry, les Savoyards, et puis Turin, dans le Piémont. La révolution de juillet de 1830 en France, avec ses idées libérales, va bientôt enflammer toute l'Europe comme une traînée de poudre. Et l'insurrection populaire atteint la péninsule italienne en 1831. Elle débute dans les duchés de Modène, pays de notre cuisinier d'aujourd'hui, qui est à l'époque gouverné par François, archiduc d'Autriche-Est, puis c'est Bologne, les États pontificaux et le duché de Parme et de Plaisance qui sont gouvernés par Marie-Louise d'Autriche. À cette époque, l'Italie se divise ainsi. Donc vous avez dans le sud le royaume des deux Siciles, vous avez dans le centre les États pontificaux, et dans le nord les duchés de Parme, Toscane et Modène, et dans le nord-ouest le royaume de Sardaigne qui rassemble, comme on l'a dit, Nice, Gênes, la Savoie, le Piémont et la Sardaigne. Le général autrichien Joseph Wenzel Radetzky von Radetz est le commandant militaire de la région Lombardie-Vénétie et il va être le fer de lance de la mise en place du système de Bach qui consiste en une reprise en main centralisatrice de Joseph II puis de son fils le jeune empereur François-Joseph Ier d'Autriche. En 1848 éclate le printemps des peuples qui va secouer toute l'Europe et qui, entre parenthèses, va servir la Suisse, puisque pendant ce temps-là, les grandes puissances avaient d'autres intérêts, et donc on a pu faire notre constitution suisse relativement sereinement. Et après les 5 jours sanglants à Milan du 18 au 22 mars 1848, Charles Albert déclare la guerre à l'Autriche. Il bénéficie de la participation des États pontificaux, du grand-duché de Toscane, sa femme est la fille du grand-duc de Toscane, et du royaume des deux Siciles. Radetzky, alors âgé de 81 ans, décide dans un premier temps de retrancher son armée sous la protection des forteresses du quadrilatère, dont on va beaucoup parler cet après-midi. Le 30 avril, il subit un échec à Pastringo, où, je crois, mon cher Giacomo, les carabiniers à cheval ont fait forte sensation. Avant un petit Savoy. Et le 30 mai, la forteresse de Pescara se rend et Charles Albert est acclamé par ses troupes roi d'Italie. Mais ça ne va pas durer et le roi de Sardaigne va perdre ses alliés, à commencer par le pape qui va désavouer son chef des armées et qui va condamner la guerre. Puis c'est le roi des deux Siciles qui va faire volte-face et finalement donc on va avoir une contre-offensive autrichienne qui va défaire Charles Albert le 24 juillet 1848 à la bataille de Custoza. Il doit se résoudre à signer une trêve, à retirer ses forces de Lombardie, et toutes les régions qu'il a conquises redeviennent autrichiennes. Le 20 mars 1849, il va rompre cette trêve, mais son armée de 80 000 hommes, qui est mal préparé, va subir une lourde défaite à Novare le 22 et 23 mars. Il doit abdiquer en faveur de son fils, Victor Emmanuel II, et il va s'exiler au Portugal où il doit mourir 4 mois après. Les conditions de reddition sont assez dures. Les villes d'Alexandrie et de Novare se voient imposer une garnison autrichienne. Et puis, par contre, il faut noter,
que c'est sous Charles Albert qu'est né en 1836 le corps des Bersaglieri. Pour ceux qui ne les connaissent pas bien, c'est une unité d'infanterie légère, reconnaissable à sa plume de coq de bruyère, et qui, dont la fanfare défile en courant. Même, c'est pas le jour. C'est plume. Et tandis que les Alpini ont une plume. Une plume d'aigle. Oui, au prix de l'aigle aujourd'hui. C'est Victor Emmanuel II qui va envoyer ce corps en Crimée où on l'a retrouvé ce matin. Avant, ça n'a pas été dit, mais dans la guerre de Crimée, les corps expéditionnaires italiens étaient des 21 000 et quelques militaires, dont 15 500 environ sur le front. Parmi ces 15 500, ou les 21 000 si tu veux en général, il n'y avait que 2450 Bersaglieri. Mais elle était commandée par Alessandro La Marmora, qui était le fils des fondateurs du corps de Bersaglieri. Et comme il a été tué en bataille, c'est-à-dire à la tête de ses troupes, ben, on parle souvent de Bersaglieri dans la guerre de Crimée. Voilà, dans la bataille de la Tchernaïa. Okay. Il y a deux généraux qui sont morts, le commandant en chef et son adjoint. Donc à l'époque, les généraux combattait en tête, pas... Une autre chose qu'il a pas dit là, comme conférencier, c'est que tu prends par exemple que la France a eu 95 000 morts, mais 75 000 morts de maladie, c'est-à-dire Et puis, la marche de Radetzky, opus 228, a été composée en 1848 par Johann Strauss, père, en l'honneur du feld-maréchal. Et la première fois que cette marche a été jouée devant les officiers autrichiens, ils se sont mis spontanément à scander le refrain avec les pieds et avec les mains. Et cette tradition se perpétue encore de nos jours par les connaisseurs. Et ainsi, depuis quelques années, lors du concert du Nouvel An dans la salle dorée de la Société de musique de Vienne, eh bien, vous avez le public qui tape des mains, pas des pieds, hein, si jamais pour le parquet d'ici, les mains, et puis le chef d'orchestre dirige le public et l'orchestre simultanément, et comme on va le voir sur ces images. Donc je vous invite à en faire de même en suivant à la baguette le chef Alfred Eschwe. We'll be right back.
17 mars 1861, à l'issue de la troisième guerre d'indépendance, cette fois, le royaume de Sardaigne devient l'État italien autour duquel va se réaliser l'unité de la péninsule avec un slogan Verdi. Verdi, c'est quoi ? Nouvelle la palissade. S'il y a un Victor Emmanuel II, c'est qu'avant, il y avait... Eh ben, pas du tout. Pas du tout. Parce que le premier roi d'Italie, Victor Emmanuel II, conserve le nom qu'il portait en tant que roi de Sardaigne et duc de Savoie. Je vous propose maintenant de découvrir comment l'Italie a pu s'unifier grâce à cette réalisation signée l'Instant Histoire. Et vous allez avoir... Alors, ça va être assez intéressant parce qu'on aura deux fois des cartes un peu dynamiques qui seront faites. Et au milieu, vous aurez Jean-Jacques Langendorf, qui est une sommité, mais qui travaille sans cartes. Et je reviendrai là-dessus. Mais c'est pour montrer un peu le décalage qu'il y a entre la génération d'avant et maintenant. Et c'est remarquable, tout. En 1815, l'Italie en tant que pays n'existe pas. Ce ne sont que de multiples petits royaumes et duchés indépendants dont la plupart sont en réalité très influencés par l'Autriche. À ce sujet, Metternich, le célèbre chancelier et ministre des Affaires étrangères de l'Empire, déclarera que l'Italie est une simple expression géographique, ce qui est difficile à contredire pour l'époque. Ce qu'on appelle la langue italienne est encore peu installé, pour ne pas dire pas du tout, au profit des langues régionales. Depuis la Renaissance et même avant, l'Italie a toujours été divisée et sous influence étrangère, qu'elle soit française, espagnole ou autrichienne. Connue pour avoir été un important champ de bataille, toute époque confondue, en particulier le nord de la péninsule. Il y aura bien une sorte d'état national, sous Napoléon, avec le royaume d'Italie, mais encore une fois avec un territoire bien réduit et une très grande influence française, l'empereur en personne étant roi d'Italie. Néanmoins, ce premier royaume posera les bases d'un futur pays. L'italien est reconnu comme langue officielle, bien qu'elle ait encore parfois beaucoup de mal à s'implanter. L'influence de l'Église diminue. L'administration est calquée sur le modèle français, et l'économie se transforme peu à peu, subissant les conséquences de la guerre, comme avec la conscription des jeunes hommes ou les taxes supplémentaires, particulièrement au nord, où cela aura pour effet une augmentation de la mendicité et le début d'une première vague d'émigration. Pour ce qui est du sud, et plus précisément du royaume de Naples, la France n'a jamais vraiment réussi à imposer son autorité, et le commerce est globalement resté en bonne santé. À la suite du congrès de Vienne de 1815, après la défaite française, la carte de l'Europe est redessinée, et l'Italie n'y échappe pas. Les frontières pré-révolution sont globalement reprises, et simplifiées, avec le retour de nombreux royaumes et duchés, sous influence autrichienne. Mais deux sortent tout particulièrement du lot. D'une part, le royaume des deux Siciles, qui ressemble au royaume de Naples, et qui domine la majeure partie de l'Italie du Sud, et a donc moins subi l'influence napoléonienne, et reste encore de tradition plus monarchiste et plus catholique. C'est d'ailleurs un Bourbon, donc une dynastie française, qui est à sa tête. D'autre part, le royaume de Sardaigne, qui est le principal état du Nord et dont l'influence du Premier Empire reste encore très importante, conservant une bonne partie de la législation napoléonienne. Commencent alors à naître, en Sardaigne, les premières idées d'unification italienne, sans réelle surprise, avec l'influence des Lumières, de la Révolution française et du libéralisme. Il faut dire que bien que l'Italie n'ait jamais vraiment existé, sa culture a eu un très fort impact sur toute l'Europe, notamment lors de la Renaissance, que ce soit à travers la peinture, la littérature ou la musique. On met donc en avant ce passé glorieux pour faire valoir l'idée d'unité italienne. Parmi les soutiens à l'unification, il y a notamment les Carbonari, des membres issus d'une société secrète qui luttent via diverses actions politiques. Mais ce carbonarisme ne satisfait pas tout le monde, et des divisions commencent à se faire ressentir. C'est pourquoi sera créé le mouvement Jeune Italie par Mazzini à Marseille dans les années 1830, composé en bonne partie d'anciens membres de la société carbonariste, toujours dans le même objectif. Un de ses principaux soutiens étant le général Garibaldi, qui sera contraint, après une tentative infructueuse de soulèvement, à un long exil en Amérique du Sud, où il continuera ses nombreuses actions politiques. De même pour Mazzini, qui finira, quant à lui, en exil à Londres, en Angleterre. Il faut dire que le roi alors au pouvoir, Charles-Albert de Savoie, est un fervent défenseur de l'absolutisme et mène une intense politique de répression contre les libéraux italiens, bien qu'il s'ouvre au fil des années à plus de réformisme.
C'est alors qu'en 1848 va se produire un véritable tournant dans la société européenne de l'époque. Inspirée par les idées libérales et révolutionnaires, une bonne partie de l'Europe va se soulever, particulièrement dans les grandes villes. En France, la Deuxième République est proclamée en février. En Allemagne se déroule ce qu'on appelle la Révolution de Mars. En Autriche, le gouvernement de Metternich est renversé et l'Hongrie se soulève. Et bien évidemment, l'Italie n'échappe pas à ce courant révolutionnaire. Les différents gouvernements des duchés et royaumes sont renversés. Des constitutions sont rédigées. Venise et la Sicile proclament leur indépendance. La République romaine est mise en place. Et la Sardaigne déclare même la guerre à l'Autriche après les 5 journées de Milan, dans ce qu'on appelle la première guerre d'indépendance italienne. Pour Mazzini et Garibaldi, alors contraints à l'exil, c'est l'occasion parfaite de revenir défendre leur cause. Mais rapidement, les révolutions prennent fin. En France, Napoléon III devient le premier président de la République, sous l'étiquette du Parti de l'Ordre, et décide de mener une expédition à Rome pour restaurer la papauté. En Allemagne, la Révolution de Mars a pris fin, notamment sous la pression de puissances étrangères. En Autriche, les nombreux mouvements révolutionnaires ont été matés, et le royaume de Sardaigne, tout comme les autres états du Nord, ont été vaincus, revenant dans la sphère d'influence de l'empereur. De même pour la Sicile qui est reprise. L'influence du printemps des peuples peut donc paraître bien dérisoire, quand on voit qu'aucune des révolutions n'a abouti. Mais en réalité, elle pose les premières pierres de l'unification italienne, ou du Risorgimento, car il aura été une vraie expérience politique pour l'époque, bien plus que ce qu'il y avait pu avoir comme dans les années 1820 ou 1830 par exemple. Par ailleurs, la constitution rédigée lors du printemps des peuples en Sardaigne, le statut albertin, est conservée, faisant de cette monarchie probablement la plus libérale de la péninsule, bien que le roi conserve toujours un fort pouvoir, la situation étant assez semblable en Prusse. Le printemps des peuples, malgré son échec, remet donc en question la société européenne, et propulse sur le devant de la scène la question de l'unité allemande et italienne, cette dernière intéressant particulièrement la France de Napoléon III et l'Autriche de François-Joseph. Et pour cause, ces deux pays ont toujours eu une politique très liée à l'Italie. D'un côté, l'Autriche possède la majeure partie des royaumes et duchés de la péninsule dans sa sphère d'influence, alors que la France mène une politique assez ambiguë, soutenant parfois l'unification comme s'y opposant. Elle espère en bonne partie pouvoir sauvegarder la papauté et obtenir Nice et la Savoie. En 1849, le roi Charles-Albert de Savoie, qui était entre-temps devenu plus ouvert au projet d'unification, meurt, ce qui va laisser le trône à son fils, Emmanuel II, qui va continuer dans cette voie et chercher à unir la péninsule sous son royaume. Il va alors s'entourer d'un homme qui sera l'importance capitale pour l'unification, Camillo Cavour, qui mènera de très nombreuses réformes dans l'objectif de moderniser le petit état italien. Le pays se libéralise peu à peu, l'industrie se développe, et l'armée est réorganisée dans l'optique d'une future guerre. Malgré cela, l'unification paraît toujours dure à réaliser. L'armée sarde fait toujours pâle figure face à l'armée autrichienne. C'est dans ce contexte que Cavour va chercher un allié qui pourrait l'aider contre l'Autriche. Et l'occasion se présente assez rapidement avec l'empereur des Français. Ce qui aboutira en 1858 à l'accord de Plombières, puis à une véritable alliance début 1859, concernant une guerre future contre l'Autriche, pour stopper son influence dans la péninsule. Pour la France, c'est une opportunité de restaurer son influence perdue lors du congrès de Vienne et d'annexer Nice et la Savoie. Cette décision de l'empereur étant aussi motivée par la récente tentative d'assassinat contre sa personne, de la part d'Orsini, un patriote italien, qui a donc échoué et qui lui a fait prendre conscience de la situation. De plus, le royaume de Sardaigne était déjà intervenu dans le passé lors de la guerre de Crimée pour défendre la cause de l'unité italienne. En avril 1859, éclatera donc finalement la guerre. Sauf que cette fois-ci, la Sardaigne possède une armée plus moderne et un allié de taille. Grâce au train, les troupes françaises sont rapidement acheminées et des victoires sont remportées par les armées franco-sardes, notamment à Magenta et à Solferino, ces dernières étant parfois assez confuses dans leur déroulement. L'armistice sera donc signé après seulement un peu plus de 2 mois de conflit, début juillet, mais il faudra attendre le 11 novembre pour que la paix soit enfin signée avec le traité de Zurich. La Lombardie est cédée à la France, qui la rétrocédera à la Sardaigne, alors que l'Autriche conserve son influence sur la péninsule. Pour ce qui est de la France, elle recevra conformément au pacte militaire signé peu de temps après l'accord de Plombières, Nice et la Savoie. Les conséquences de cette seconde guerre d'indépendance italienne, comme on l'appelle, sont importantes, et aboutissent au nord à un mouvement de ralliement au royaume de Sardaigne. Les duchés de Parme, de Modène, de Toscane, ainsi qu'une partie des états pontificaux,
intègre le royaume d'Emmanuel II. Mais l'unification est encore loin d'être achevée. Il reste encore les états du pape et surtout le royaume des deux Siciles qui possède une bonne armée. C'est pourquoi Garibaldi va lancer une expédition en Sicile avec les chemises rouges, des volontaires ralliés à sa cause. C'est l'expédition des Mille. Profitant des faiblesses du gouvernement napolitain, Garibaldi parvient à vaincre leurs armées à plusieurs reprises, ce dernier commençant à se diriger vers le nord, bien que manquant d'hommes pour mener un long siège. Le gouvernement sarde, bien que méfiant à l'égard de ce général, va tout de même envoyer une armée, faire la jonction et récupérer au passage les territoires de l'est des états pontificaux. Pour ce qui est des Napolitains, ils sont finalement contraints de se rendre après le long siège de Gaeta. Il ne reste alors plus que Rome et la Vénétie pour achever l'unification. Mais qu'importe si elle n'est pas achevée. Emmanuel II est proclamé roi d'Italie en mars 1861, donnant ainsi naissance au pays. Rome est même désignée comme capitale, bien que la ville soit encore au pape. Dans les faits, la capitale est Turin, puis Florence à partir de 1865. Il reste alors deux grandes questions en suspens. Que faire de la Vénétie et surtout de Rome? Car ça, la France y est radicalement opposée, et a même envoyé une petite armée de quoi défendre la ville, tout comme les plus fervents catholiques qui enverront d'importantes sommes d'argent en soutien au pape. Sur le plan diplomatique, l'annexation de Rome est donc difficilement acceptable. Mais pour les partisans de l'unification, c'est une nécessité. D'un côté, des hommes comme Garibaldi souhaitent prendre la ville par la force, bien que ce dernier sera finalement emprisonné par le gouvernement italien. Pour autant, Emmanuel II souhaite tout autant annexer Rome, mais préfère négocier sur place le retrait des troupes françaises, qui est accepté par Napoléon pour 1866. Pendant ce temps, l'Italie va donc se tourner vers l'Autriche, en quête de récupérer la Vénétie. Et l'occasion va se présenter rapidement, car la Prusse, dans l'objectif de contester la domination autrichienne des États allemands, va lui déclarer la guerre. Évidemment, l'Autriche, préférant éviter une guerre sur deux fronts, va faire la proposition à l'Italie d'acquérir la Vénétie. Mais Emmanuel II préféra directement entrer en guerre en tant qu'allié de la Prusse. La guerre s'achevant encore une fois très rapidement, au bout d'un peu plus d'un mois de combat, par la défaite autrichienne de Sadova, face à la Prusse, qui rebat les cartes de l'Europe. L'Italie se voit obtenir la Vénétie, où est organisé un référendum, qui est très largement approuvé, bien qu'avec une légère pression militaire, et quelques villes, notamment Mantoue, continuant ainsi son unification. La Prusse, quant à elle, se voit devenir le principal État allemand, ce qui lui ouvre la voie à l'unification allemande. Mais pour l'Italie, il reste toujours un problème, Rome. En effet, après avoir été libéré, Garibaldi reprit ses fonctions, prévoyant toujours de s'emparer de la ville éternelle. Une seconde tentative étant lancée en 1867, en vain, repoussée par les troupes franco-papales, lors de la bataille de Mantana. Mais une nouvelle opportunité de s'emparer de la ville va rapidement se présenter, avec une nouvelle guerre. Mais cette fois-ci, l'Italie n'y participera pas. C'est la guerre franco-allemande de 1870, la France rappelant ses garnisons, permettant à l'Italie de s'emparer de Rome. Fin 1870, l'Italie est donc unifiée dans des frontières proches de celles qu'on connaît de nos jours. La capitale sera seulement déplacée de Florence à Rome à partir de 1871. A noter d'ailleurs que l'unification italienne s'est déroulée dans la même période que l'unification allemande, bien que les circonstances soient parfois différentes. Mais en réalité, l'unification pose de nombreux problèmes. Le premier, et le plus important sans aucun doute, étant la division nord-sud, encore très présente de nos jours, et qui marque la vie politique italienne. Car l'unification s'est réalisée dans les intérêts du royaume de Sardaigne, soit dans les intérêts piémontais en l'occurrence, la plupart des membres du gouvernement venant de cette région, le roi lui-même, Emmanuel II, venant de la maison de Savoie. D'autant que l'Italie n'a pas tenu ses promesses de créer des gouvernements locaux, ce qui a provoqué dans les années suivant l'unification à d'importants affrontements au sud, en particulier en Sicile et à Naples, pour des raisons religieuses. En somme, le royaume de Sardaigne a essayé de bâtir un état centralisé autour de sa principale région, le Piémont. Sauf que la centralisation n'a jamais vraiment réussi. Et ça d'ailleurs, la plupart des patriotes italiens étaient pour conserver une forte autonomie. A vrai dire, les Piémontais voyaient les gens du sud presque comme des barbares, éloignés de la civilisation, et justifiaient donc cette mise à l'écart. Cela aura aussi eu pour conséquence, dans le sud, un développement de la mafia. Le plus célèbre exemple étant sans aucun doute la Cosa Nostra, en Sicile. De plus, l'italien ne parvient absolument pas à s'imposer comme langue, dans un pays où l'analphabétisme est encore très présent, comparativement à d'autres régions plus développées en Europe, alors que les langues régionales comme le vénitien ou le napolitain restent largement dominantes. Une autre question divise, bien qu'elle soit en réalité tranchée depuis bien longtemps, celle du régime à mettre en place.
des hommes comme Mazzini ou Garibaldi étant favorables à une république. C'était d'ailleurs une des principales revendications du mouvement Jeune Italie. Mais finalement, la monarchie de Savoie sera tout simplement conservée et tendra progressivement vers une extension du suffrage, alors censitaire et extrêmement limitée à la naissance de l'Italie. Autre problème, mais qui n'est pas lié directement au Risorgimento, l'industrialisation de la péninsule, qui est rendue difficile par les faibles ressources, et qui, couplée aux différentes crises des années 1880 qui aggravent la situation de l'économie italienne, auront pour conséquence une très forte émigration, en particulier vers les pays d'Amérique, comme les États-Unis, et quelques pays d'Europe, comme la France ou la Belgique, avec plusieurs centaines de milliers d'Italiens décidant de fuir la misère. Mais en réalité, pour beaucoup, l'unification italienne est encore loin d'être achevée, et perdurera via l'irrédentisme italien, ou dit autrement, l'intégration de tous les territoires considérés comme italiens à l'état national, bien que les territoires considérés comme ethniquement italiens soient en réalité assez flous. Cet irrédentisme se manifestant particulièrement pendant et après la Première Guerre mondiale, lorsque l'Italie va récupérer des terres autrichiennes et essayer de rogner sur la Dalmatie, la victoire étant considérée comme mutilée et contribuera en bonne partie à la montée de Mussolini dans les années 1920. Il est d'ailleurs intéressant de noter que malgré l'unification, le micro-État de Saint-Marin est parvenu à conserver son indépendance jusqu'à nos jours, et cela pour diverses raisons, notamment le fait que le pays fut une terre d'asile pour de nombreux patriotes italiens. L'unification de la péninsule est donc étroitement liée au contexte de l'époque, avec la montée du libéralisme et du nationalisme, cherchant à unifier tous les territoires de la même ethnie sous un seul État. L'industrie a aussi joué un rôle important dans ce processus, car le royaume de Sardaigne était le plus industrialisé des États de la péninsule, ce qui a aussi joué, plus tard, en faveur du Nord. Cependant, l'unification ne peut se réaliser que par l'intervention de puissances étrangères, en particulier la France lors de la Seconde Guerre d'indépendance en 1859, et la Prusse à moindre mesure lors de la Troisième Guerre d'indépendance en 1866. De nos jours, bien que le Risorgimento soit un peu oublié en France, en Italie, il est omniprésent dans la culture nationale. Garibaldi, Mazzini, Cavour et Emmanuel II sont considérés comme les pères fondateurs de l'Italie. Et nombreux seront les auteurs, peintres ou musiciens qui mettront en avant l'unification. Et à juste titre, quand on sait que 1861 est considéré comme la date de la naissance de l'Italie moderne, ce qui est, soit dit en passant, assez tardif comparé aux autres grandes puissances européennes, mais qui se rejoint plus ou moins avec l'unification allemande. Pour nous imprégner donc de cette deuxième guerre d'indépendance italienne, on fait donc appel à Jean-Jacques Langendorf, qui fait partie de notre commission historique, le grand spécialiste, on l'a dit, des affaires militaires du 19e. C'est un auteur de la pensée militaire prussienne, notamment. C'est le biographe du général Antoine de Jobigny. C'est le biographe de notre général Guillaume-Henri Dufour, qui fêtera l'année prochaine le 150e anniversaire de sa mort. Et c'est le biographe du général Guizan, qui fêtera, lui, cette année, dans cette salle, le 1er octobre, le 150e anniversaire de sa naissance, comme si Guizan était né pour reprendre le flambeau de Dufour l'année d'après. Donc il a 83 ans, notre brave Jean-Jacques, et il habite dans les forêts perdues de l'Est autrichien. Donc évidemment, on ne l'a pas fait venir aujourd'hui, mais on espère l'avoir au mois de novembre pour la Suisse, la Prusse et la Suisse, puisqu'il a décrit cette pensée militaire prussienne. Et donc, on a retrouvé des images d'archives d'une conférence qu'il avait donnée sur la bataille de Solferino, de l'incompétence au massacre. Et vous verrez que ça déménage pas mal. Alors, je dois vous dire aussi que il est tellement captivant. Donc lui, il n'a pas de carte, hein, en général. Là, il était invité par l'Institut National Genevois, donc on lui a mis une grande carte. Et donc, c'est toujours un peu perturbant parce qu'il sort de son rythme et il va tout d'un coup monter sur la carte. Sauf que le gars, avec la caméra, il était tellement scotché sur lui qu'il est resté bloqué sur la carte. Donc on a eu des grands moments de solitude au niveau cinématographique, que j'ai essayé de combler avec quelques images dont vous m'excuserez tout à l'heure.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie d'abord d'être venus aussi nombreux, une vingtaine de plus, mais on aurait une demi-brigade d'infanterie. Guy Lecomte a présenté l'histoire militaire comme une chose un peu en marge, un peu déclassée. C'était vrai il y a une époque. On entendait des instituteurs nous dire, on était là, monsieur Marignan, monsieur Saint-Paul, non, pas d'histoire bataille, surtout pas d'histoire bataille, des faits sociologiques, de l'économie, la culture des carottes en Appenzell au XVIIe siècle, voilà des choses importantes, mais pas d'histoire militaire. La perspective a changé et est venue des universités américaines et anglo-saxonnes et maintenant de la France, où véritablement de nombreuses chaires d'histoire militaire sont créées. Il y a une nouvelle impulsion qui est doublée aussi par deux nouvelles dimensions, le reenactment, c'est-à-dire on refait des batailles, avec, surtout aux États-Unis, avec un nombre considérable de participants, et on en tire un certain nombre d'enseignements tactiques ou stratégiques, et l'archéologie du champ de bataille, où l'on découvre un nombre absolument incroyable d'objets, surtout pour 14-18, mais aussi l'époque napoléonienne, qui permettent de mieux situer le contexte. En fait, ce qu'il faut bien voir, et ce qui m'a toujours étonné dans des gens plutôt à gauche qui honnissent l'histoire militaire, l'histoire bataille, comme ils disent, la chose étonnante, c'est quand même Marx et surtout son acolyte Engels, qui est un spécialiste des questions militaires, qui a montré dans l'histoire socio-économique l'importance de la bataille. La bataille est la pointe d'un iceberg, si vous voulez, comme aurait dit le capitaine du Titanic, et par conséquent, elle nous indique beaucoup de choses. Elle nous donne des indications sur la géographie, bien entendu, sur le climat, sur la météorologie, sur les populations du champ de bataille, sur les victimes. Mais plus en profondeur, elle est un reflet, comme dit Marx, des conditions socio-culturelles d'une certaine époque. Dis-moi quelle est ta bataille, et je te dirai quel est ton peuple. Dis-moi quelle est ta bataille, et je te dirai quel est ton système social. Parce que dans la bataille, vous trouvez tout. Vous trouvez la composante économique, production de matériel, vous trouvez la composante intellectuelle des états-majors, etc. Vous trouvez la composante morale, la volonté de se battre pour une cause donnée. Clausewitz appelle les valeurs morales, les grandeurs morales. Donc vous avez, en étudiant une bataille, la possibilité de déboucher sur un horizon beaucoup plus large. Et puis, évidemment, il y a le petit plaisir personnel, c'est quand on a passé son enfance à jouer aux soldats du côté de la demi-lune ou de la treille, eh bien, effectivement, il y a un plaisir extraordinaire à étudier ces péripéties et les étudier sur le terrain. Je vous dis tout de suite, je suis allé plusieurs fois à San Martino et à Solferino pour étudier la situation sur le terrain. Alors, une bataille, je ne peux pas vous dire 24 juin, la bataille de Concan, puis voilà, c'est fini, il y a beaucoup de blessés, puis Henri Dinant, et Saint-Bouquin. C'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il faut remonter en amont et il faut d'abord savoir qui va s'affronter. Alors, on s'affronte toujours pour des raisons politiques. La guerre, la continuation de la politique par d'autres moyens. Bon. Par conséquent, il faut bien déterminer quelles sont les forces en présence. Alors, vous avez d'abord, dans cette guerre de 1859, que les Italiens nomment la seconde guerre de libération nationale, vous avez plusieurs éléments clés, plusieurs grands acteurs qui vont jouer un rôle important. Vous avez d'abord, par ordre d'importance, la France. C'est un pays d'environ 40 millions d'habitants, mais dont 3 sont en Algérie. Vous avez l'Autriche-Hongrie avec 37-38 millions, et vous avez là au milieu un petit pays au nord de l'Italie, le Piémont-Sardaigne, 5 millions d'habitants. Alors, en fonction de ces grandeurs, vous avez des armées différentes.
La France est déjà relativement, comparée à l'Autriche-Hongrie, un pays avancé. Elle est sur la voie de la première industrialisation. Elle est sur la voie de la construction des chemins de fer, qui vont jouer un certain rôle dans la campagne de Solferino. Tandis que l'Autriche est restée très en arrière, est encore un pays, et bien que 25% plus grand que la France, un pays qui est resté éminemment agricole, avec ce qui est l'angoisse de la coupe de Vienne, un débouché très médiocre par l'Adriatique sur la Méditerranée. Donc vous avez un pays socialement plus avancé en France, avec, comme dirait Marx, une conscience sociale aussi beaucoup plus avancée. Nous sommes encore en Autriche, et je le crédite, dans un régime catholico-réactionnaire, alors que la France, à travers ses révolutions, 89, 48, etc., a une ouverture politico-sociale infiniment plus avancée déjà. Donc un niveau de conscience plus élevé, ce qui a fait dire d'ailleurs aux marxistes, ce qui a fait dire à Rousteau, mais aussi à Lecomte, que si finalement la France avait gagné cette guerre, c'est parce que le niveau social, le niveau éclairé, le niveau de politisation était beaucoup plus grand que chez les Autrichiens. C'est une théorie. Cette armée française, je vais commencer par elle, c'est la plus importante, et vous verrez, est une armée semi-professionnelle. C'est-à-dire que vous avez une armée de conscription, mais environ 40% sur 400 000 hommes environ, énormément d'exceptions. On peut racheter, si on tire le mauvais numéro, on peut le racheter, on peut confier son service militaire à quelqu'un d'autre, un pauvre paysan, un pauvre ouvrier. Donc un système passablement injuste. La durée du service militaire est de 12 ans. Mais rassurez-vous, on ne passe pas 12 ans sous les drapeaux, on n'en passe que 3 à 4. Après, il y a des roulements, il y a des mobilisations, des remobilisations. Donc, ce n'est pas 12 ans complets. Cette armée est commandée, je dirais, par des vieux briscards. Il n'y a pas un état-major intellectuel, comme il y en aura un plus tard en Prusse, mais c'est véritablement ou des gens déjà âgés, Marshal Vallion, qui ont fait des guerres de Napoléon et qu'ils ont bu le lait napoléonien sur les grands champs de bataille, à Eylau, Tilsit, etc. Donc c'est des praticiens, c'est des gens de la pratique, c'est des gens relativement rudes, et c'est des gens qui ont une très haute conscience sous l'Empire de leur position. C'est des gens qui estiment que si l'Empire tient, c'est grâce à eux. Ils sont les appuis de l'Empire et ils ont une estime relativement piètre de Badinguet, Napoléon III, dans la mesure où il ne voit pas un vrai militaire en lui et dans la mesure où il n'a jamais participé à une bataille. Et à ce sujet, il y a une anecdote extrêmement frappante qui a lieu un peu avant la crise de Solferino, en 1858. Vous avez l'impératrice Eugénie, qui joue un rôle très important comme conseillère de son époux, qui fait une promenade en calèche avec sa dame Latour, si vous voulez, une personne de haute noblesse, et la femme de l'ambassadeur de Grande-Bretagne, et accompagnée du maréchal Pélissier, duc de Malakoff, un personnage qui s'était illustré magnifiquement pendant la guerre de Crimée. Et à un moment donné, Pélissier demande au cocher, « Cocher, arrêtez-vous. On est au milieu d'une forêt. » Le cocher s'arrête, Pélissier descend, se débraguette et urine contre un sapin. Et remonte. Alors évidemment, effroi chez ces dames, effroi chez l'impératrice, effroi chez la femme de l'ambassadeur, et on continue, et lui font la gueule. Évidemment. Il y a un acte symbolique, en fait. Il a voulu montrer, un peu avant Solferino, que l'armée est au-dessus des critères habituels. Je peux, moi, Pélissier, duc de Malakoff, je peux me permettre ce que je veux par rapport à l'impératrice,
par rapport à l'ambassadeur de Grande-Bretagne, parce que je suis le représentant de cette armée sans laquelle tout s'effondrerait. Alors, l'armée n'est pas une armée unitaire. Elle se divise en trois catégories qui se détestent les unes les autres. Il y a ce qu'on appelle les Criméens, c'est-à-dire ceux qui ont fait la guerre de Crimée. Il y a ceux qu'on appelle les Africains, c'est-à-dire ceux qui se livrent au combat de guérilla en Algérie. Et puis enfin, vous avez l'armée de base, si vous voulez, qu'on méprise un peu, qui sont ceux qui sont stationnés sur le territoire de la République. Alors parmi les Criméens, vous avez toute une série de vieilles Kurdes de peau, comme on dirait actuellement, qu'on retrouve chez les Africains aussi. Mais les Africains ont une particularité, c'est que leurs troupes ne sont pas les mêmes, ou pas toutes, que les troupes de la métropole. Vous avez deux grandes familles qui se différencient. C'est d'abord les Zouaves, c'est des soldats français ou d'Algérie française qui ont des uniformes splendides, n'est-ce pas, avec des chéchias, avec des gilets à la turque brodés, avec des pantalons bouffants, n'est-ce pas, très prestigieux. Et puis vous avez un deuxième groupe, les Turcos, qui sont véritablement des indigènes, qui ont été au départ des esclaves soudanais libérés en 1830 lors de l'invasion de l'Algérie par les Français, incorporés, et ensuite ils sont multipliés, et ce sont des gens très féroces, un peu cannibales sur les bords, extrêmement efficaces dans les combats, un peu indisciplinés, les combats tirailleurs sur là, et qui sont commandés par des officiers français, mais parlant l'arabe. Donc les ordres se donnent en arabe. Ces deux groupes, Turco et Zouave, vont jouer un rôle relativement important dans les différentes batailles de la campagne de Solferino. Le matériel français est un matériel militaire assez curieux. Il faut parler du fusil minier, qui est une chose absolument incroyable pour notre conception. C'est un fusil très lourd qui a un calibre de 17,5 mm. Je vous rappelle qu'une arme d'infanterie actuelle a environ 5,5 mm. Et c'est important, c'est que les blessures faites par les balles coniques de ce fusil sont des blessures épouvantables qui équivalent à ceux d'une mitrailleuse lourde actuellement sur un individu quelconque. Donc un fusil extrêmement meurtrier. L'artillerie possède différents calibres, 4, 6 et 12. 12, c'est dans le livre. Hein. 12, c'est pour les sièges, c'est pour démolir les murailles, etc. Elle est fort bien entraînée, fort bien drillée. Et enfin, vous avez alors des corps d'ingénieurs sortis de polytechnique, comme le général Dufour, par exemple, qui sont extrêmement bien drillés. Donc, dans l'ensemble, une armée solide, une armée relativement bien commandée, mais une armée qui a un défaut, et qui a été un défaut rédhibitoire à la France toujours, la logistique. Le ravitaillement des troupes, le maintien des troupes en campagne fonctionne souvent extrêmement mal, ce qui sera le cas en 1859. L'armée autrichienne, alors là, c'est un roman en soi. D'abord, elle est à peu près d'importance, 500 000 hommes à peu près, elle est commandée par l'empereur, elle est composée de 9 nationalités différentes. Ça veut dire que vous avez par exemple 9 livrets d'instructions différents en allemand, en magyar, en hongrois, en italien, en ruthène, en roumain, en tchèque, en slovaque, etc., 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 en ukrainien. Et les ordres sont donnés en allemand, mais retraduits aussitôt par des sous-officiers. Ces régiments sont des régiments mixtes, mélangés. On fait attention de ne pas mettre trop de Hongrois avec des Croates, parce qu'ils se haïssent culturellement, mais on essaye de trouver un équilibre. Vous avez également aussi des régiments qui sont exclusivement italiens. Et là, en 1859, on s'en méfie un peu, on les met dans des garnisons, on dit qu'ils sont italiens, enfin ils vont se battre contre leurs frères, ils risquent de déserter. Or, en réalité, plusieurs régiments, dont le régiment Sigismund, demandent d'être portés
volontaires contre leurs frères, entre guillemets, leurs frères italiens. Donc une armée très colorée, très disparate, il n'y a pas de régiment numéroté comme en France, mais des régiments qui portent des noms prestigieux, roi des deux Siciles, duc de Cumberland, reine Marie-Thérèse, avec évidemment un chatoiement d'uniforme tout à fait splendide. Cette armée est nominalement dirigée par l'empereur, mais par un chef d'état-major qui est le feld-maréchal lieutenant von Hess, qui est un homme d'origine bourgeoise d'ailleurs, et un homme extrêmement capable, mais un peu un timoré, ce qui n'est pas toujours la meilleure façon, on le verra, de conduire une bataille. L'autre personnage qui joue un rôle encore plus important, c'est le comte Grüne, qui est le chef de la chancellerie militaire de l'empereur François-Joseph, et qui est un intrigant, qui est un homme intelligent mais compliqué, qui est un homme qui fait barrage entre l'empereur et ses officiers généraux, donc un personnage qui n'est pas du tout apprécié dans l'armée, mais qui précisément, où commence cette campagne de 1859, est le gouverneur général de la Lombardie et le commandant en chef de la deuxième armée qui est stationnée à Milan, qui est stationnée en Lombardie. Donc un personnage qui va jouer un rôle extrêmement néfaste dans les débuts de la campagne. L'empereur lui-même a une instruction militaire assez formelle, n'est pas, il a participé lors de la révolution de 1848 au combat du Bulleur, près de Vienne, près de Chérac. Donc il avait une petite expérience du feu. Napoléon n'en avait aucune, je vous l'ai dit, et il est surtout habile dans les règlements, habile dans les grandes manœuvres. Une grande manœuvre, à l'époque, c'est plutôt un défilé splendide. Il n'y a pas de manœuvre dans le sens actuel où il y a des ennemis, mais là, tout est marqué par des poupées, par des cibles, tout est joué d'avance, les instructions sont données. Donc ces manœuvres, comme en France d'ailleurs, n'ont pas une importance fondamentale. L'armée, la dernière, qui fait 5 divisions, 60 000 hommes, 90 pièces d'artillerie, c'est l'armée piémontaise, qui est dans une très curieuse situation, c'est qu'elle n'a pas confiance en elle-même. Parce qu'en 1848-49, le vieux père Kadetsky, qui était le maître absolu de la Lombardie, où il s'était fait sa deuxième armée, était son armée. Il avait cette prestation, c'est extraordinaire, j'aime beaucoup, c'est ses 247 enfants illégitimes, tous entretenus par sa majesté l'empereur, et sa femme, une comtesse autrichienne, il vivait d'ailleurs avec sa maîtresse, qui était une lavandière italienne, il parlait avec Milanais entre eux, et ce maréchal Radetzky était adoré de ses troupes, par de Radetzky, on connaît la marche de Radetzky aussi, de Faust. Et malheureusement, il meurt en 1858, une année avant cette période. Il meurt à 93 ans, il a gagné sa dernière bataille à 82 ans, et il a été chef d'état-major jusqu'à 90 ans. Donc avis à nos officiers généraux suisses qui actuellement prennent leur retraite à 57 ans. Donc un personnage haut en couleur, capacité militaire, et qui a littéralement moulu, écrasé les Piémontais en 1849 à Custoza. Et les Piémontais s'en souviennent, donc ils n'ont plus tellement confiance en eux-mêmes. En plus, ils ont une chose qui les gêne, c'est quand même les commandants d'une très vieille aristocratie. Le roi Victor Emmanuel a une certaine expérience de la guerre, il a fait la campagne 48-49, et ils sont gênés. C'est curieux à dire, mais par le nationalisme du Risorgimento. C'est-à-dire qu'il voit arriver, au moment où la guerre va être déclarée, des multitudes de jeunes hommes venant de toute l'Italie, qui n'ont aucune expérience militaire, qui veulent s'enrôler et qui sont indisciplinés, qui constituent un poids terrible pour cette petite armée, et on essaie de les repousser vers Garibaldi, n'est-ce pas, qui forme une armée des Alpes, qui effectuera un certain nombre de missions de combat, sans aucun succès d'ailleurs, dans les Alpes, au nord de Brescia, etc. Bon. Voilà donc, si vous voulez, l'état de ces trois armées, ce,
Ça, à peu près, ce qui se fait de mieux à cette époque, l'armée prussienne n'est pas encore réformée au niveau militaire. Alors, le 24 avril 1859, c'est un dimanche de Pâques, l'empereur sort de la chapelle des Tuileries. C'est un faux dévot, pour des raisons politiques. Par contre, Eugénie, son épouse, est une vraie dévote, c'est pas d'hypocrisie. Il sort de cette messe et il se dirige vers un petit capitaine d'Eugénie. Et il lui dit, capitaine, j'ai un service à vous rendre. Tous les officiers disent, quel est ce capitaine déjà ? Est-ce que vous pourriez demander à votre beau-père de me faire un plan d'opération pour la campagne ? Alors, le beau-père, qui est ? Eh bien, c'est le fameux général Jomini, qui est général russe en plus à l'époque. Bon, il a près de 80 ans, mais il vit à Paris. Alors, monsieur de Courville, n'est-ce pas, s'empresse d'aller voir vos papas à Passy et lui dire, pouvez-vous faire un plan d'opération pour l'armée. Alors, c'est un peu un aveu de pauvreté intellectuelle, n'est-ce pas, mais il a les officiers autour d'elle, mais on a recours à celui qu'on a appelé devin de Napoléon pour donner un plan de bataille. Alors, Jomini est un peu embêté, parce que comme il a déjà trahi une fois, le guillemet, il est passé des Français aux Russes en 1813, il se dit, si maintenant je donne de nouveau un plan français, je vais surtout, c'est ça qui me fait peur, je vais perdre ma pension. Il vit entièrement de la charité du tsar. Alors, bon, il va à l'ambassade, il demande, est-ce que je peux ? Oui, oui, vous pouvez. Et il va, oui, il dit, c'est un plan. Alors, un plan qu'on vient de retrouver. Il y a une année, aux archives militaires françaises, il avait disparu, on l'a trouvé, un plan d'une extraordinaire lucidité, d'analyse, disant qu'il n'y a qu'une possibilité, c'est la voie la plus droite, d'aller d'Alexandria sur le nord. Alors la voie qu'il y a de plus rapide, c'est de concentrer vos troupes d'abord. Alors la concentration, ça c'est aussi nouveau. Française va se faire de deux manières. Elle va se faire par un débarquement des Français à Gênes, une grande partie de l'armée française sera transportée par bateau à vapeur, y compris avec l'empereur. Donc, ils partent de Toulon et ils débarquent à Gênes et ils montent sur Alexandria. Et l'autre, c'est le pivot, ce qu'on appelle pivot. Et l'autre passe par le chemin de fer. Qui passe par Saint-Jean, qui s'arrête à Saint-Jean-de-Montréal et qui prend à Suse, c'est-à-dire de 500 km avec le bardage sur le dos, on doit descendre dans la vallée, et on rejoint exactement Alexandria. Les Autrichiens, eux, pendant ce temps, sont concentrés à peu près ici. Et il y a là un premier combat, qui est le combat de Montebello, c'est à peu près là, parce que le but des Français, selon les suggestions de Jomini, c'est de remonter à peu près sur le Var, de traverser le Tessin ici, de pénétrer à Milan et d'essayer, dans cet espace, d'envelopper les troupes autrichiennes et de les détruire. C'est ce qu'il va faire, c'est le premier combat de Montebello. Mais chose extraordinaire, la guerre est déclarée depuis trois semaines déjà, et le fait du maréchal Julien, pendant trois semaines, presque aux portes de Turin, n'a strictement rien fait. Donc les Autrichiens, par leur lenteur, par leur impéritie, par le non-décisionnisme, ont littéralement là déjà perdu la guerre, à mon sens. Alors on s'est demandé pourquoi Juliet n'a rien fait. Alors lui, il dit, bon, j'attendais les résultats d'une négociation avec l'Angleterre. Les pluies, ça c'est vrai, étaient dans une rizière, ont été épouvantables. L'armée était noyée dans l'eau et dans la boue. Mais il y a une autre théorie qui est plus peut-être plus fiable, c'est qu'il n'avait qu'une idée, c'était de reculer par Milan, abandonner la Lombardie, parce qu'il souvenait que Radetzky avait dit « la Lombardie se perd aussi facilement qu'elle se gagne, et vice-versa ». Et ensuite, de se replier sur ce qu'on a appelé le quadrilatère, ici,
c'est-à-dire cet ensemble de forteresses, Vérone, Legnano, Mantoue, qui faisait une espèce de verrou vers les Alpes autrichiennes, que les Autrichiens avaient construit à la fin du XIXe siècle, après la montée de Napoléon jusqu'à Leoben en 1797. Donc lui, le rêve de ça, c'est de passer le Pinchot, pénétrer en Vénétie et trouver un abri sous ses forteresses. Bon, alors, les Français débarquent, commencent à se concentrer. Le premier combat, près de Montebello. C'est un combat pas considérable, je vais sans guillemets, à peu près vite mort, pas tout à fait temps. Et, premier épisode, qui annonce déjà ce qui va se passer dans 2 mois, le général Bourbaki, qu'on connaît bien ensuite, c'est un Africain, lui, pour s'être réfugié aux Verrières avec son armée battue en hiver 1871. Le général Bourbaki, il le dit dans une lettre, j'ai eu une très mauvaise idée. C'est que le lendemain de la bataille, je voulais montrer à l'empereur ce qu'était un champ de bataille. Alors je suis allé à Montebello. Quand il a vu les blessés, quand il a vu les cadavres, on a dû le faire descendre. Il a eu une frayeur épouvantable, il s'est décomposé. Alors vous voyez la différence avec Londres. Londres, le soir de Bonson, à un de ses chefs d'état-major, qui disait c'est épouvantable, c'est un carnage d'une barre. Une nuit de Paris repeuplera tout ça. Donc, une autre dimension éthique, si vous voulez, entre le neveu et Londres. D'ailleurs, les soldats suivent Napoléon III parce qu'ils disent, dans leur tête un peu simple, ils disent « Ah, le moustachu, comme ils l'appellent, va battre les Autrichiens à plate couture parce que dans sa giberne, il a les plans du petit ondu. Le petit ondu, c'est Napoléon Ier. On pensait qu'il y avait un secret de famille qui se passait comme ça pour gagner les batailles. Donc, à Montebello, on voit que l'empereur français, les Français, n'est pas d'une solidité morale totale par rapport à l'affrontement militaire. Et alors, je ne vais pas vous raconter la campagne, premier aux affrontements, c'est quand les Autrichiens quittent le Piémont, passent le Tessin, la rivière Tessin, qui fait la frontière entre le Piémont et la Lombardie, et décident de tenir sur cette position. Donc c'est le combat de Magenta, qui est le premier gros combat. C'est un combat extrêmement dur sur une rivière, enfin sur un fleuve. Il faut s'emparer des lignes de chemin de fer et d'un pont pour traverser. Les Autrichiens résistent incroyablement. Ils sont plutôt très bons dans le statique. Ils occupent les maisons, ils défoncent les murs, ils installent leur fusils, leurs canons légers, etc. Résultat, nous avons 5000 Français hors de course et 10 000 Autrichiens. Donc les pertes, 15 000. Mais faites attention, il y a une règle très curieuse d'ailleurs, on s'explique mal. Pour avoir le nombre de tués, il faut diviser par 4. Toujours. Et ça joue pratiquement toujours. Donc, si vous avez 1000 pertes, 250 morts. Le reste, c'est prisonniers, blessés, déserteurs, disparus. Donc, il faut faire attention quand on dit 15 000 pertes, c'est pas 15 000 morts. C'est moins que au moins. Bon, entrer les Français à Milan, où ils sont acclamés, c'est les sauveurs, vive l'Italie, etc. Et à partir de là, la traite continue des Autrichiens. Et à propos de Magenta, puisqu'on doit quand même parler des blessés, vous avez ça existait à l'époque, ça n'existe plus maintenant, vous avez un Schlachtbunker, c'est-à-dire des bonhommes, qui allait regarder les batailles, par curiosité, c'est pas un journaliste, hein. Du coup, il regardait, il s'intéressait aux batailles. Alors, vous avez un bel exemple dans Guerre et paix de Tolstoï, où le prince Bezoukhov se rend sur le champ de bataille de Borodino et assiste à la bataille. Bon. Et ce Raffhausen, cet Allemand, voit des choses épouvantables. Première chose, il passe devant une maison et l'odeur est insupportable. Alors il rentre, il veut voir c'est des blessés entassés depuis le jour précédent, des plaies immondes, des plaies rongées par des insectes et par des vers,
et qui implore autant qu'il peut, passe, passe, Mozart, Mozart, et qui sont totalement abandonnés. Effrayés, les cheveux dressent la tête, ils s'enfuient, c'est insupportable. Donc vous voyez, un premier élément, si vous voulez, du sort des blessés à cette époque-là. Alors, finalement, les deux armées vont se retrouver, j'abrège, hein, devant Vérone, à l'entrée de la Vénétie, sur la rivière Vincio. Et là, il se passe une chose très curieuse, je suppose que c'est un échec militaire complet, va avoir lieu une bataille que personne n'a voulu. Les Autrichiens retraitent, les Français avancent, mais doucement, ils ont des gros problèmes logistiques, et ils décident même de s'arrêter. De l'autre côté de la Chiesa, qui est un petit fleuve, à 30 km plus à l'ouest du Vincio. Et là, brusquement, les Autrichiens qui sont donc en sécurité derrière ce fleuve et qui sont rentrés dans le quadrilatère, l'empereur d'Autriche décide de lancer une reconnaissance de l'autre côté importante de cavalerie. Et il s'aperçoit qu'il n'y a personne. Il pensait que les Français étaient sur le talon, pas là. Il n'y a personne, c'est le vide. Alors, il a cette décision qui est mal expliquée encore aujourd'hui, au lieu de continuer de se nicher dans le quadrilatère, il donne l'ordre, entre-temps il a un nouveau chef d'état-major et il a chassé Julien, il donne l'ordre de retraverser le Vincio et d'occuper cette plaine entre la Chiesa et le Vincio. Et c'est là qu'il va tomber, ses troupes autrichiennes vont tomber dans la nuit du 23 au 24, vont tomber sur le terrain de Solferino. La performance est remarquable. Faire passer en une nuit 120 000 hommes sans que les Français s'en apercevoir, sur un pont de chevalet assez branlant, le système Birago, et par conséquent, il arrive à déployer ses troupes, et brusquement, Napoléon lui apprend, mais on lui dit, mais dis donc, la plaine de Solferino ne sont pas vides d'Italiens, ils sont nichés partout, à tous les niveaux. Alors, je vais vous montrer la carte de la bataille. Alors, il faut bien comprendre, tout au nord, mais vous ne le voyez pas, vous avez là-haut, mais ça devrait être là, le lac de Garde. Tout ce secteur-là, San Martino, lac de Garde, est dévolu au Piémontais. En face d'eux, ils ont le corps du général feld-maréchal Benedek, qu'on considère à l'époque comme le stratège par excellence de l'armée royale impériale. C'est le grand homme, c'est l'homme qui a la décision, c'est l'homme intelligent, ce qui ne va pas l'empêcher, 7 ans plus tard, de se faire écraser comme une vieille crêpe par les Prussiens sur le champ de bataille de Sadova. Donc il faut toujours se méfier quand on décrète que notre chef d'état-major est un grand soldat, il faut les voir à l'œuvre avant d'émettre le décret. Et puis alors vous avez Napoléon en tant que canon traverse le fleuve Chiesa, à peu près là, se dirige vers Castiglia, et petit à petit tous les corps que vous voyez là vous avez les noms, prennent position. Donc c'est vraiment une bataille frontale, la pire chose qu'on puisse faire militairement parlant. Il n'y a pas tentative d'enveloppement, il n'y a pas tentative de déroulement, donc c'est vraiment une affaire très, très mal conduite. Et alors chacun de ces corps, ça aussi c'est une faiblesse, agit comme chez les Autrichiens, hein, c'est pas vrai. Donc il n'y a pas de de coordination, il y a bien des officiers d'état-major qui courent à droite et gauche, mais les ordres parviennent beaucoup plus tard, plus vite chez les Français, moins vite chez les Autrichiens, et finalement, corps par corps, on se retrouve à un combat frontal. Le plus dur étant, alors c'est Napoléon qui décrète, parce qu'il faut décréter, ça, si on se perd dans la bataille, il décrète le point central, c'est Solferino. Si on a Solferino, on domine la plaine de Meyde, où il y a des combats aussi, et on casse les Autrichiens en deux, on n'a pas conséquent, là, il y a encore Solferino, il faut y arriver. C'est pas le Cervin, hein, c'est 200 mètres. Et puis, au sommet de ces 200 mètres de colline, vous avez la Via Vitalia, on s'est dit dans le tour,
qui permet de voir une partie de la Lombardie, de la Vénétie, et qui permet de contrôler tout le pays. Donc, qui prend cette position a pratiquement remporté la bataille. Simplement, il faut s'emparer de l'église et du couvent qui sont là-haut, s'emparer du cimetière. Alors, il y a des attaques frontales, les Français vont s'en pousser par les Autrichiens, la mitraille, la baïonnette, parce que l'empereur Napoléon avait bien dit avant la campagne. Utiliser la baïonnette, c'est le meilleur moyen pour ne pas se faire toucher par la mitraille. Et puis en bas, ça c'est la superbe française, vous avez une artillerie extrêmement puissante. Si on voit sur Solferino des shrapnels, c'est-à-dire des obus qui crachent des balles, des milliers de balles dans le ciel, et puis qui envoient des boulets pleins et des boulets explosifs. Donc c'est véritablement une mitraille d'enfer qui s'abat sur Solferino. Les Autrichiens répliquent, mais l'artillerie autrichienne est inférieure à tous les niveaux dans la mesure où elle n'est pas rayée. Alors elle précise, elle tire beaucoup moins loin. Et les Autrichiens ont une autre manie qu'ils ont eue dans toute leur bataille jusqu'à Sadova, c'est l'emploi de fusées. C'est les grands maîtres de ce qu'on appelle les fuséens. C'est-à-dire qu'ils ont des batteries de fusées, ils ont 8 batteries de fusées, c'est une centaine de fusées, qui tirent inlassablement sur les troupes françaises, mais avec une efficacité tout à fait totale. Et au même moment, et c'est ça qui t'intéresse, vous voyez comme les choses sont compliquées, au même moment où a lieu cette bataille de Solferino, il y a un Genevois qui est à Vienne, et qui fait des démonstrations d'obus à percussion sur le polygone de tir de Félixstorff, près de Vienne, c'est M. Adolphe Pittet, le fils de Pittet-Rochon, génie universel, d'ailleurs un homme extraordinaire, et entre autres fabricant de fusées, il avait travaillé pour les fusées, et les Autrichiens vont adopter son système, mais s'ils l'avaient adopté 3 mois plus tôt, mais c'est toujours très long l'administration autrichienne, on a fait aussi. Toujours est-il qu'on aurait eu des fusées, ou plutôt des obus à percussion construits par un Genevois. Et pourquoi ce que ce Genevois a pu présenter son invention pyrotechnique, si vous voulez, au comité d'artillerie autrichien? Parce que le général Guillaume Henri Dufour, futur fondateur de la Croix-Rouge, a recommandé aux Autrichiens son ami Peter et l'excellence des obus à percussion. Vous voyez, il y a là un petit épisode assez. Donc on se bat comme des fous. L'artillerie française, alors je ne vous parle pas des détails, l'artillerie française finit par l'emporter et très lentement, les Autrichiens commencent à se battre avec des pertes évidemment énorme, et vers 5h30 du soir, les combats ont commencé à partir de 4h du matin, vous voyez qu'on y est. Les troupes autrichiennes n'ont pas bu et pas mangé depuis 17h, avec des tornisters, des sacs de 35 à 37 kg sur le dos, par une chaleur épouvantable. Et à 5h, vers 5h, 5h30, il semble que Dieu... Et il envoie sur Solferino un orage tel qu'il n'a jamais été vu dans les annales de la région et du village. Donc quelque chose de démentiel, des torrents. Les Français s'arrêtent, les Autrichiens retraitent au-delà du Vincio et la bataille s'arrête. C'est pas le combat, c'est ça, votre combattant, il y a encore des combattants, mais il y a alors des pertes que je vais vous donner dans ma mémoire. Oui, il y a 10 000 Français qui sont des pertes, hein, 10 000. Il y a 14 000 Autrichiens et il y a 4 300 Piémontais. Et on estime que le nombre de blessés, toute nationalité mélangée, souvent sur le champ de bataille, sont 20 000 blessés. Alors je vais juste vous donner une anecdote qui montre bien passe dans la tête des gens chargés de les soigner, des médecins militaires, parce que j'ai bien entendu moi ce médecin militaire, vous avez un
document assez intéressant, c'est les mémoires du comte d'Hérisson, qui a hérité d'un mémoire sur Solferino. Il a travaillé une mine de renseignements et d'anecdotes sur la vie quotidienne des Solferino. Le soir de Solferino, l'orage est passé, c'est vers 8h du soir, mais il pleuvait. Il s'enveloppe dans une couverture en plein air, il n'y a pas d'abri là du tout. Et il maudit, tout est trempé, n'est pas une couverture militaire, tout est trempé. Et à ce moment-là, il y a un major militaire français qui vient se coucher à côté de lui et qui lui dit: ah, cher ami, béni soit cette fille. Il dit: mais comment cette fille, on est inondé, c'est quoi? Il dit: béni soit cette pluie, elle va faire au moins mourir 5000 blessés. Cette pluie va véritablement les libérer de leur douleur, les libérer de leur misère physique et morale. Vous voyez, là, il ne faut plus rien faire. C'est la pluie atroce qui va les faire mourir et qui va les libérer de leur souffrance. Le lendemain, Napoléon parcourt, tout en avançant vers Vérone et d'autres chiens, en fait, Napoléon parcourt le champ de bataille et là il tombe véritablement malade. Il faut arrêter ça, c'est plus supportable. Il s'écroule d'ailleurs sur une table, il pleure dans les bras, dans sa tête. Il est absolument horrifié parce que ce qu'il avait vu à Montebello 3 semaines avant, c'est l'écume de ça. Alors c'est là que vraiment il prend la décision de tenter d'obtenir un armistice. François-Joseph, la même chose. Il est aussi absolument effrayé par ce qu'il a vu. En plus, chez les Autrichiens, vous avez pas seulement la compassion qui fait qu'ils vont signer un armistice. Chez les Français, vous avez quand même la peur des armées de la Confédération du Rhin et des Prussiens qui sont en train de se masser sur le Rhin. Avec le fameux général Pélissier qui fait pipi contre les arbres à leur tête. Et puis, vous avez ce problème pour les Français et pour les Autrichiens. Les thèses de l'État, et ça depuis des décennies, depuis 1809, sont: c'est un fiasco. Donc, il n'y a plus un centime, il n'y a plus d'argent. Donc on pourrait encore faire venir des troupes d'Ukraine, d'Europe centrale, il y a tout ce qu'il faut, mais on n'a plus l'argent. Donc il faut arrêter. Et alors, on s'apprête quand même, les Français, à faire le siège de Pesquiera, donc sur le lac de Roi, pas là, sur le lac de Garde, qui est une position très forte, pour se diriger ensuite vers Vérone. Parce que entre la bataille et les préliminaires de l'armistice, il y a peut-être 3 semaines qui se déroulent. Donc on a quand même l'idée de continuer, mais le cœur n'y est plus. Alors on envoie du matériel de siège là-bas, on commence les travaux d'approche, et puis finalement, le général Fleury, qui est délégué par Napoléon, revient de Villafranca et déclare: c'est bon, les Autrichiens sont prêts à négocier. Les négociations se déroulent très vite. Napoléon III est reçu par François-Joseph. Il y a des gravures touchantes, on sait humain, on a des nouvelles, des épouses. C'est Sicile, on ne sait pas Sicile, un incapable professionnel là, qui épouse ce malheureux François-Joseph. Et donc la paix ou les préliminaires de paix sont signés. Mais, bon, François-Joseph rentre à Vienne, il n'y a pas de problème, c'est une armée monarchique, personne ne proteste, comme je le dis, la conscience sociale n'est pas développée. Par contre, quand Napoléon rentre et doit repasser par la Lombardie, c'est le calvaire, c'est le Golgotha, parce qu'il avait promis à Cavour et au Piémontais de libérer toute l'Italie jusqu'à l'Adriatique. Or, il laisse la Vénétie aux Autrichiens. Donc, ce qui avait été un triomphe, par exemple, à Milan, va devenir véritablement un calvaire. Il avait reçu des fleurs à l'aller, il reçoit des crachats au retour, et il revient profondément dégoûté, et son opération italienne, avec un petit bénéfice, il gagne le comté de Nice et la Savoie, mais quand même avec le sentiment d'avoir été un peu grugé. Les Autrichiens sont évidemment humiliés, introduisent des réformes, et on s'est demandé: mais pourquoi cette assez belle armée était battue de cette manière?
sans déshonneur, hein, c'était vraiment presque un pacte. C'est tout simplement parce qu'elle était encroutée dans des structures vieillies, structures de commandement, des problèmes d'état-major, des disputes à tous les niveaux, qui avaient aussi dans l'armée française d'ailleurs, et puis un manque de dynamisme, si vous voulez, général, qui fait qu'il y a eu beaucoup trop de passivité dans cette guerre défensive. Donc, les Autrichiens vont tirer les leçons. Les leçons ne serviront pas à grand-chose, puisque quelques années plus tard, en 1866, l'armée royale impériale sera définitivement envahie des champs de bataille à la bataille de Sadova, de Nigresse, en Bohême. Et les Français, au contraire, se dorent au soleil de la victoire. Et ça, c'est toujours dangereux. Se dorent au soleil de la victoire. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en 1870, cette fois-ci, c'est les Prussiens qui vont régler le problème impérial, qui vont envoyer ce malheureux Napoléon en exil et qui vont introduire une nouvelle ère, si vous voulez, dans l'histoire européenne. Alors pour conclure, vous avez là une bataille, comme je l'ai dit, mal conduite, une bataille d'affrontement direct et une bataille où les services de santé, je suis encore venu là, sont absolument insuffisants. Je vais vous donner une statistique qui vous dit tout. Les Français, sur le champ de bataille, pour environ 130 000 hommes engagés, ont 1200 personnels médicaux. Alors, il y a des chirurgiens, dont Appiah, hein, qui lui opère, vous avez des chirurgiens militaires, vous avez des pharmaciens, vous avez des infirmiers. Tout ça, ça va chercher dans les 1200. Les Piémontais, 700, pour une armée de 60 000 hommes, c'est quand même pas beaucoup. Et c'est les Autrichiens qui en ont plus, ils en ont 2400. Parce qu'en Autriche, il y a eu un bonhomme assez intéressant, qui s'appelle le baron von Kraus, qui avait, en 1823, fait publier déjà un premier article dans la revue militaire autrichienne sur la neutralisation des champs de bataille. Ça, c'est intéressant, disant qu'il faut absolument que ce soit le champ de bataille. Sans plus le dire, il faut qu'on neutralise, il faut qu'on laisse les blessés là en paix. Et il avait essayé de réorganiser tout le service de santé autrichien, c'est assez puissant, en disant la première chose à faire, c'est des moyens d'évacuation. Parce que si on les entasse dans les églises, dans les casernes, dans les écoles, les risques de contagion, etc., sont véritablement terrifiants. Et par conséquent, l'hygiène recommande, c'est l'hygiène qui doit d'abord priver. Et en même temps, il dit, il me faudrait pour réaliser ça tant de trains, tant de wagons, tant de voitures, tant de chevaux, et on ne les donnera jamais. C'est en même temps un constat pessimiste, mais il a bien vu l'ampleur du problème, et je tenais aussi à lui rendre, en passant, hommage. Le 25 juillet 1914, l'état-major autrichien, les ministres, tout le monde est réuni à la Hofburg autour de l'empereur, qui a plus de 60 ans de règne à ce moment-là, c'est un des plus longs règnes de l'histoire avec Luther. Et on lui soumet un papier qui est une déclaration de guerre à la Serbie. La Serbie, un mois avant, les sept nationalistes serbes viennent d'assassiner l'héritier du trône. Les conditions autrichiennes n'ont pas été acceptées dans leur totalité. 90% ont été acceptées. Donc le casus belli est donné. Il y a l'état-major, il y a l'état-major général, il y a les ministres surtout. Et tous disent majesté, signez. Signez cette déclaration de guerre. L'Autriche a été humiliée, votre neveu a été assassiné, donc faites quelque chose. Mais il refuse. Il refuse, il dit non, je ne peux pas signer cette déclaration de guerre. Et alors on lui dit, mais pourquoi on ne peut pas signer cette déclaration de guerre? Et il a cette phrase extraordinaire, il dit, si vous voulez la guerre, c'est parce qu'il n'avait pas été à Solferino. Il avait donc compris cette leçon terrifiante qu'avait été Solferino. Malheureusement, il signera et la première guerre mondiale commencera à ce moment-là. Je vous remercie de votre attention.